Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode du Let's Play de God of War. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Troisième épisode, je le tourne 1h30 après l'épisode précédent. Voilà. Attends-moi ici. Allez. Je clampe. Alors. Épisode dernier, c'était la merde. On avait pas mal ragé, malheureusement. C'était un peu difficile la dernière fois. Oh, putain. Je fais le récap dans 3 secondes. Tac, 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 tac. Ça. On va aller voir en haut parce que là le coffre on pourra augmenter sa vie, donc j'ai envie quand même d'augmenter ma vie un peu. Voilà. J'étais pas sûr qu'on s'en sorte. Je n'ai pas l'intention de nous laisser mourir. Ouais. Je sais pas sur le haut, je sais pas au bon chemin. Alors, il y en a un là. Voilà. D'accord, là ça va, eux sont faciles. Il y en a qui seront bien plus durs dans le futur. Hein. Ah mais c'est pour ma jauge de rage ça. Ouais. C'est aussi très pratique. La jauge de rage hein, qui est ultra importante. Pas ici. Ouais alors attends parce que... Il y a quand même un truc par là. Hein. J'ai quand même envie de fouiller.
tout petit peu, on fouille pas non plus pendant 50 ans, mais on fouille un tout petit peu pour essayer de récupérer des choses, genre de la thune par exemple. L'argent est ultra pratique. Hop. Et on avance bien. Je suis assez content. Ça se passe assez bien. J'avais jamais vu la montagne d'aussi près. Elle paraît si grande. Mais c'est une montagne. J'aurais voulu que maman voie ça. Allez, viens. Je préfère que tu sois devant parce que comme ça je peux te surveiller. C'est par là. Oh. Ça sert un masque. Ah, on voit le dos. Parfait. Mais ça sert à rien ça. De toute façon. Eh, hey, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Atreus. Regarde, il y a des runes sur le côté. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ce que nous sommes à deux, à trois. Mais que je ne peux être seul. Une énigme. Il y a peut-être un indice quelque part. Par là. Hop, déjà. Là, de la thune. C'est juste demander combien. Il y aura quand même pas mal d'épisodes. D'ailleurs. Les cercles tournent. Redescends. Toujours pas. Et c'est bien là qu'il faut tirer. Je vois les runes. Voilà. Atreus, que disent ces runes? Oh, ça dit. Famille, c'est pas un indice, c'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois? Prends ton couteau et trace les runes dans le sable. Vraiment? Kinslos. Il s'est passé quelque chose. Ça a marché. Door is open. Je suis content d'avoir rencontré Brock, mais je suis encore plus content de quitter cet endroit. C'est derrière nous maintenant. C'est par là, on va passer là. C'est un coffre. Ou du fight. Ou les deux. Waouh. Atreus, regarde ces traces. Ah, oula, oui. Peut-être un sanglier. Je suis pas sûr. Un sanglier. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Ah non, on va se taper le sanglier. On va le tuer, quoi. Ouch!
bâtard. Maintenant, on se charge de... Bye. Mais... Voyons. Ah ah, une nouvelle rune. Les runes, c'est très fort quand c'est bien utilisé. Hop, ça c'est pour notre âge. Et vous voyez, quand on capte un peu mieux les choses, ça va beaucoup plus facilement. Là, qu'est-ce qui est écrit? Alors attends, parce qu'il faut que je trouve la troisième. L'Inorn. Le destin. Alors elles ne peuvent rien apporter de bon. Ok. Attends, parce que moi, il me faut la troisième. Où est la troisième cloche? Hop, allez! Le coffre devrait être ouvert. Voilà. Je parlais de cela par exemple qui était un peu plus dur. Une pomme. Magnifique. Voilà. La santé est augmentée de pas mal en plus. Donc ça c'est cool. Alors, je dis pas qu'on aura la santé à fond, parce que je crois que de toute façon pour la santé à fond, il faut... Ah, il faut quand même beaucoup d'heures de jeu hein, pour avoir la santé à fond. Hein, je crois. Donc, on l'aura pas hein, bien évidemment, mais on va essayer d'avoir au moins les deux premières pour qu'on puisse avoir une vie assez... potable quoi, et pour pas qu'on galère trop sur les boss parce que les boss dans God of War celui-là sont assez compliqués quand même. Il y a des boss vraiment durs, il y en a qui sont très faciles, genre le fameux étranger, le Atreus, j'entends ton animal devant, pas très dur, mais ça fait plaisir. Du coup, c'est le dernier épisode que je vais tourner aujourd'hui, je pense, de God of War. Donc la prochaine fois, ce sera le 29, le tournage. Tire quand tu es prêt. Bande ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. Mais je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit, et la flèche a ricoché. C'est un sanglier magique. Qu'en penses-tu? C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. Le jeu est aussi très basé sur la relation père-fils. Hein. Bien évidemment, il y a... Mais je vous le dis, God of War 4, c'est un délire tellement c'est bien. Reste sur les gardes. C'est encore ces hommes? Non, autre chose. Oh oui. Certains de ces corps appartiennent à ces créatures étranges. On fouille, bien évidemment. Je me tâte à faire un autre jeu en parallèle, mais en fait, je me dis peut-être pas parce que genre j'ai rien à vous faire Rise. En fait, j'ai cette nouvelle hype de vous refaire du Tomb Raider sur la chaîne. Vous refaire Rise du coup, parce que j'avais peur. Wow. Super rapide. Bientôt, au bout
t'inquiète, la moitié du jeu, ce sera plus simple de les tuer. Je ne spoil pas, encore une fois. Mais il y a un moment donné, ce sera là, plus simple de les tuer. Je vous le dis, je le connais bien, le jeu. J'ai pas mal d'heures dessus, donc... C'est bon. Okay. Je vais tuer le cerf. La main ferme, on se détend. La précision avant la vitesse. Ouais! Ne le perds pas de vue. Fais tomber le couteau. Atreus! Où es-tu? Atreus! Où es-tu? Fuck. Ah. Je l'ai trouvé. Dépêche-toi. Atreus. Il ralentit. Attends-moi, Atreus. Allez. Qu'est-ce que tu as fait? Pardon. Atreus. Alors. Charge, mon perso est bloqué, je peux plus rien faire. Je pense que j'aurais dû rappeler Atreus une fois. Ça a bugué. Ah putain! Atreus! Atreus! Où es-tu? Ah. Dépêche-toi, merde! Je l'ai trouvé! Là. Là. Attends-moi, Atreus! Atreus! Qu'est-ce que tu as fait? Pardon! Atreus! Ah, c'était bugué. Ok. On savait pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas à moi, c'est mon ami. Le garçon ne faisait que m'obéir. Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume, et vous le tuez. Vous aviez si faim que ça? Il m'entraînait à tirer. Quoi? Il s'entraînait à tirer? Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir? Je ne le laisserai pas mourir. Vous, la flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Le côté droit maintenant. Deux, bien. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. Une sorcière. Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Il ne faut pas qu'il meure. Bien. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Graisse. Par ici. De la magie. Vivre la sorcière. Une dame très importante. Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Je ne t'ai jamais vu dans ces bois. Tu dois beaucoup lui manquer.
Elle est morte. Elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres ? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolée. Vraiment cette beauté. Je sais pas si le jeu est disponible en plus de 720p. J'ai un énorme doute. Je crois pas que je peux éditer les vidéos en HD. Vous vivez dans un arbre ? Pas dedans. En dessous. Hemele ! Regarde ! Oh, un dessert qu'on a tué aussi, tiens. Il est gentil. Atreus. Faites-moi confiance, il ne craint rien. Salut vous. Bonjour. Il est inoffensif. Tu fais un peu peur. Ah, Kratos, pas trop difficile. Vite. Posez-le sur ce symbole. Surveillez-le. Vous vivez seul ? C'est mieux ainsi. Mon père non plus n'aime pas trop les gens. Atreus. Quoi ? C'est vrai ? Finis-le bien pour qu'il ne se fasse pas mal. Bien. Doucement. Repose-toi. Il me faut deux choses. Il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison. Tu peux m'en cueillir un pied ? Oui, bah oui. Quoi d'autre ? Écoute. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai ? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Ça ne te regarde pas ! Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. J'en sais quelque chose. Quand ils te trouveront, et ça arrivera, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le garçon exigera des réponses. Ça, c'est mon problème. Quoi que tu caches, tu ne pourras pas le protéger éternellement. Mais tu as raison. Ça ne me regarde pas. J'ai aussi besoin de cardamine. Une fleur blanche qui pousse dans le jardin. Une poignée suffira. Très bien. De la cardamine. Je sais qui nous sommes, hein. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, du coup, Kratos, c'est un... un dieu de la mythologie grecque, du coup, hein, voilà. Jardin. Attendez, je reviens. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonnait chez moi. Je sais pas qui c'est, donc j'ai pas été ouvert. Ouvrir. La cardamine, parfait. Tu as aussi la racine rouge ? Le garçon est parti la chercher. Tu pourrais peut-être l'aider. L'onguent ne fonctionnera pas sans ces deux ingrédients. Mmh. Ok, je vais t'aider. À tous les coups, c'est encore des gens pour aller chez le dentiste. Et ça me rend fou parce que c'est pas chez moi qu'il faut sonner pour le dentiste. Avec ça, peut-être. Je l'ai fait tomber. Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Si je l'avais perdu. Tu l'as déjà perdu.
J'y ferai plus attention, c'est promis. Rejoindre la sorcière. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi je parle de dentiste, parce que dans mon immeuble, au rez-de-chaussée, il y a un dentiste. Et tout le temps, les gens ils sonnent chez nous pour y aller. Et ça me saoule. Un point pas possible. C'est exactement ce qu'il me faut. Il va pas mourir ? Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier. Tu veux être tranquille ? Cette marque te dissimulera aux yeux de... de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Louina. Raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. Et suivez la lumière. Merci, madame. On peut avoir votre prénom, s'il vous plaît. On se reverra. Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens. Je pourrais dire son prénom, mais en fait, c'est un spoil. Ce passage souterrain vous remettra sur le chemin de la montagne. Vous avez obtenu la boussole de la sorcière. Attends. La boussole s'affiche. Serre-t'en pour t'orienter et trouver ton chemin. La boussole s'affiche en haut de l'écran et pointe vers votre objectif. Voilà. C'est pratique. Je vois le bateau. Cauchemars. Maman me parlait d'eux. Je pensais pas qu'ils existaient vraiment. Des cauchemars. Oui. Ils te donnent des cauchemars. Oh. Que ce soit eux, les cauchemars. Bravo, Jackie. Si seulement je pouvais lui demander. Ah. Oh. Alors, ça, c'est très pratique. Ça, je préfère, voilà, vous le dire. C'est très... Ah, mais... Déjà, il y a le symbole de persévérance, qui est très cool. Et surtout, le talisman qui permet de donner un peu plus de santé. Et ça, c'est quand même franchement très cool. Tu vois, on perd 14 et 7. Donc en fait, c'est quand même vachement bien. On a 8 de def. Bon là, c'est nul, mais on pourra toujours en acheter plus tard. Et là, on a une nouvelle... Nouveau truc, mal amélioré d'ailleurs. Ça c'est fait. Là c'est toujours niveau 1 hein, ça. C'est un peu bête ce que je viens de faire. Sachant que... Ah non, ah. Ah Divaldi, je crois que c'est fort. Attends. Ouais, ouf. Ouais, c'est très fort. C'est pas ce que j'ai utilisé sur Sigrun, mais de toute façon je crois que ce que j'ai utilisé contre Sigrun... Impossible d'avoir maintenant. Il n'y a pas si longtemps, je pensais que je quitterais jamais nos bois. Ou même mon lit. Ce n'est pas ta faute si tu as été malade. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire que je suis content. Et là, on va arriver sur une des plus belles zones du jeu, de mon point de vue. Voilà la montagne. On est tellement proche. On arrive dans la mer. Comment tu le sais ? À l'odeur. Si la mer sent comme ça, alors elle pue. Bah, les poissons chient et baissent dedans, donc Bruno. Regarde ça, c'est Thor. Thor, le dieu du tonnerre. C'est ça,
Je pensais que t'écoutais pas quand maman parlait des dieux. J'écoutais rarement. A-t-elle déjà parlé d'un dieu qui ne ressentait pas la douleur? Oh. Ça doit être Baldur. Baldur. Ah, voilà. Dieu Az, fils d'Odin et de Frigg. Et Odin est leur roi. C'est ça. Pourquoi cette question? Il y a des runes sur sa poitrine. J'arrive pas à les déchiffrer d'ici. Il est écrit « Sacrifie tes armes aux profondeurs de l'eau, tire de son sommeil le berceau du monde. » On doit jeter nos armes dans l'eau, c'est ça? Ça sera pas un problème pour toi. Est-ce que tu vas le faire? Oui. Serpent monde. Reste calme, Atreus. Je suis calme. C'est génial. Beaucoup mieux maintenant. Le niveau de l'eau a baissé quand le serpent en est sorti. Oh, ça explique pourquoi cette plage n'était pas là avant, tu vois? Et là, c'est la montagne. Regarde, ce bâtiment relie le pied de la montagne au temple doré. Tout était caché juste sous la surface. Sauf la statue. Heureusement, hein. Il y a même un quai, là, à côté du drapeau. C'est beau quand même les drapeaux. Déjà sec. On va d'abord sur le quai, pas vrai? On sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité. Que sais-tu à propos de ce serpent? Un des géants. Il est tellement grand qu'il entoure le monde et mord sa propre queue. Une exagération. Je sais pas. Il m'a paru plutôt grand. Une grenouille. C'est le chemin pour la montagne? Il semblerait. Ce serait pas notre grand balèze barbu et son avorton? J'ai justement quelque chose pour vous. Brock? Mais comment as-tu... Mêle-toi de tes oignons et venez plutôt par ici, j'ai quelque chose pour vous. Et pas la peine de lorgner sur mon coin. Je l'ai vu en premier. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut d'après toi? Mettre notre patience à l'épreuve. Quand les gens sauront que j'ai ouvert un nouvel atelier, ils sortiront de leur trou. Ils se battront comme des chiffonniers pour admirer mes créations. C'est moi qui vous le dis. Tu te déplaces toujours au pas de course comme ça? Tu es lent. C'est tout. Bonjour. Attrapé! Vous voyez ce tas de pierres? Grâce à cette clé d'Yggdrasil, vous pouvez ouvrir une porte magique vers les branches de l'arbre-monde. Une sorte de raccourci entre les royaumes. Si vous en croisez au cours de votre voyage, utilisez-les pour revenir me voir rapidement.
mais ça ne fonctionne que dans un sens, et ça ne vous mènera qu'ici. Oh, et très important, ne quittez jamais, 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 jamais le chemin. Sauf si vous tenez à mourir. Non, je vois pas pourquoi on ferait ça. Alors non. Talisman. On peut pas encore parce qu'il faut des poussières du royaume, mais ça c'est un... Muspelheim, normalement. Donc, le royaume de... De la brume, je crois. Acheter, on peut acheter des enchantements. Non. Du coup, fabriquer, par contre, on va fabriquer 9 et 5. 9 et 1, mais comme d'hab, ça s'améliore. On peut avoir. On peut. Ouais, alors j'aurais bien voulu l'équiper en fait, mec. Mais. Donc plus 5 en défense. J'ai quand même envie de prendre ça. On l'a pas pris sur l'autre. On va le prendre là-dessus. Voilà. Ouais, il est déjà 18h. Oh. Ah, et là j'ai l'air con. J'ai pas pris mon pommeau de hache. Non, pardon. J'espère que c'est ce que tu voulais. Voilà. On va pouvoir acheter un pommeau de hache. Alors, 1, 3, 1, 3, 1. Et bah 1 et 3 pour chance. Et là, 3 et 2 pour récup. On va prendre ça. Voilà. Je l'ai pas équipé. Je l'ai pas équipé. Maintenant, amélioration. Protection de la taille. Pas très cher. Pommeau de la hache. Fuck. Je peux rien vendre. Alors. Merci. Alors attends. Voilà. Tac. Moins bien. J'ai pas acheté un truc pour l'avant-bras. Ok. Bah je pensais. Mais apparemment non. On reste dans le coin pour causer un peu. Non. Et on a quelque chose maintenant. Et on va pas trop tarder à s'arrêter non plus. Et moi je stoppe après pour aujourd'hui. Voilà, je préfère être totalement honnête. C'était mon dernier épisode en avance. Oh. Ah mais là c'est pour Qu'est-ce que c'est? Une corne. En voilà le bout. On peut souffler dedans? Sans savoir ce qui va se passer. Bah on a poussé tous les boutons et tiré sur tous les leviers qu'on a croisés. Parce qu'on savait ce qui allait se passer. Cette fois, c'est différent. On va devoir développer ton instinct. Bon. Eh ben, on s'en fout pas. Hop. On va aller vers la mission et on va pas tarder hein, à se laisser. C'est parti! Avec un peu de chance, cette tour mène à la montagne. Merci, bonne nuit.
Ouais, je vais stop avant d'ouvrir, parce que comme ça on se laisse ici et on laisse un peu de suspense. Du coup je vous laisse là, l'épisode aura duré un peu moins longtemps, mais ce n'est pas très grave. Je vous retrouve dans 2 jours pour l'épisode 4, moi je tournerai la suite demain, donc le 29, ou peut-être ce soir, on verra. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez toujours pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être au courant des nouveautés de la chaîne, et je vous dis à dans 2 jours pour la suite. Bye bye tout le monde.